Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau live sur Book of Wars. On reprend l'aventure Book of Wars qui avançait plutôt bien. Alors on a passé un petit peu de temps avec Chobiti, elle a fait un très très gros taf, on a terminé ça tous les deux ensemble hier, pour ranger les souvenirs dans notre cahier. Donc maintenant on a une page par souvenir avec tous les livres qui font les souvenirs en dessous, un peu comme on a sur les bookshelves, et ça va nous permettre de noter notamment les souvenirs aussi qui sont pas dans les livres. On a commencé avec les souvenirs du puits, les souvenirs, le souvenir qu'on peut générer là aussi. Il faudra qu'on refasse. J'ai noté qu'il s'appelait l'os. Il faudra qu'on le fasse. Et du coup, ça m'a permis de me rappeler que pour celui-là où il nous manque juste un souvenir de type lanterne, eh ben, on a la possibilité d'en faire en fait. Quand on fait un considère sur une statue, ça fait un sight avec un de lanterne. Donc on va peut-être se lancer là-dedans demain. Mais d'abord, il faut terminer la nuit et peut-être la saison, donc on va attendre de voir si c'est Numa ou pas. On est d'accord qu'on n'a plus rien de prêt. Donc pour l'instant, les deux qui nous restent à dépiler, c'est ceux-là. Ça, c'est de type Scale et Moon, donc normalement, on devrait pouvoir se démerder. Et on va perdre tous ces secrets. Et ces deux-là, on va les perdre. Tout le reste, c'est permanent. C'est pour ça que je les ai générés. Pour prendre de l'avance. Enfin, il y a ce truc-là qu'on a généré avec la pompe, qui n'est pas vraiment un souvenir, là, et qui devrait nous permettre d'enlever de l'eau quelque part, mais je pensais que ce serait ici, mais non, donc... C'est probablement inondé par là-bas. Voilà, alors, tiens, qu'est-ce qui se passe, là? Ah oui, notre souvenir est direct prêt, parfait. Alors déjà, celui-là, je suis pas sûr qu'on l'ait dans notre livre. Non, on l'est pas dans notre livre. Mais je sais plus comment on l'a généré. On a dû crafter. On a dû le crafter, ouais, avec quoi? Du rose ou du sky, probablement. On va regarder. Je pense que c'est plutôt du rose, parce que... Le... Ah, il est où mon truc à rose, là? Il est là. Parce que techniquement, le sky, ça fait du... Ça fait des souvenirs musicaux, là, mais bleus. Et salut Lonmar, bienvenue sur le live, tu tombes sur le début, bah écoute, content de te voir, hein. Ouais, on en a pas fait hier finalement, on voulait en lancer un hier, et en fait on s'est 18, on n'a pas fini les souvenirs, et on a passé 1h30, 2h à terminer de ranger les souvenirs dans le carnet, donc on n'a pas fait de live. Et salut Alastre, et merci beaucoup pour l'abonnement, 5e mois d'abonnement, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup. Et on était en train de se dire qu'on avait stocké ce souvenir dans le lit et qu'on n'avait pas noté ce qu'il faisait. Du coup, il me faudrait rose. C'est quoi qui fait du rose? C'est ça. Je voudrais être sûr. Je pense que c'est avec ça qu'on a dû le faire. Oui. C'est ça. Ok, c'est 5 de craft avec string and song. 5 de sky avec string and song. Et Cheerful Ditty, on peut le créer aussi. On peut le créer avec 5 de earth et string and song. C'est parti, on va... Ouvrir. Okay. 2 heures pour ranger, c'est pas ta définition d'un jeu. Ah bah, dans ce jeu, il faut ranger les souvenirs. Après, en vrai, tu peux le faire avec le wiki, mais... Oui, comme je disais, tu peux le faire avec le wiki, tu peux copier-coller sur un Word à côté, mais nous, on est parti sur un petit carnet. Donc, on a un petit carnet. Alors, du coup... Wistful Air. Ah non, non, dans la vraie vie, il aime pas ranger, l'astre. Oh bah, quand même, ça va. Pas déconner. Rose 2. Sky 2. Ouais, enfin, c'est pas ton trip de passer 2 heures à ranger des trucs. C'est pas mon trip de passer 2 heures à ranger des trucs, non, mais j'ai quand même pas trop de bordel partout, ça va. On est pareil là-dessus. Alors. C'est craft. 5 sky plus strings and songs. Et du coup, cheerful ditty, c'est ça. Ah, on a dit... Ah, oui. Cheerful ditty. Craft, c'est 5... Earth plus strings and songs. On va attendre de voir, c'est peut-être Numa là.
Pour toi, c'est totalement la définition d'un jeu, un tableau Excel des optimisations, un jeu, quoi. Bah, je sais pas si t'avais regardé War Hospital Lonmar, parce que j'avais beaucoup, beaucoup aimé le jeu. Une simulation d'hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale. Et j'avais eu beaucoup de critiques dessus, parce que les gens disaient, ouais, en vrai, c'est un tableau Excel et tout, c'est chiant. Et il dit, mais non, mais c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool, c'est ça qu'on aime. Du coup. Alors, ce truc-là, il fait du sky et du rose, donc techniquement, il nous sert pas des masses pour le moment. Éventuellement, pour monter un truc. Donc, l'un des objectifs, c'est de la journée, si c'est pas Numa, ça serait d'ouvrir ça. Et si tu passais le temps pour qu'on ait le début de la saison, qu'on sache. Non, parce que je vais commencer à générer des trucs avant. Dans tous les cas, il faut qu'on génère du lanterne et qu'il faut qu'on génère du scale et du moon. Donc Ben, ça regarde c'est une pas. statue alors. C'est bon, on n'est pas pressé, on peut se détendre. Hein. Oh là là, Chobiti! En plein stress quoi. Moi j'aimerais bien ouvrir ça parce que ça on le perd hein, si jamais c'est Numa et que du coup ça m'a coûté cher de le générer donc j'aimerais trouver la salle où il y a de l'eau. D'accord. Ah là là, c'est terrible. Hein. Je me fais agresser pendant mon propre life quoi. Mais c'est parce qu'on n'en a pas fait Et bah, la prochaine fois, tu partiras pas prendre des goûters avec tes copines. Il faut choisir. Alors, du Grail ou du Winter, c'est kiff-kiff. On part de deux dans les deux cas. Mais avec le Winter, on a la truc de Solomon là. Ben, je t'emmènerai Qu'est-ce chez qu'il nous moi en manger reste? Paris-Nantes dans le petit café qui est trop bon où je vais avec les copines. Un petit Paris-Nantes au chocolat? Bah ouais, un petit Paris Nantes au chocolat. Quelle idée de lui laisser la parole aussi. Bon, du coup, on va éventuellement préparer. Bon, on a toujours celui-là qui fait 5 de Winter, donc qui est prêt. Lui, il faisait quoi? Du scale et du nectar, donc éventuellement, il est prêt pour ça. Donc, on va générer un petit peu de scale et un petit peu de lanterne, et après, on va activer le timer. Pourquoi il est prêt pour ça? T'as dit du nectar et du scale. Et bah ça c'est du scale. 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 Ah oui. Donc il nous faut du moss aussi, hein, ouais. Du moss. Donc on va faire un impulse. Tac. Ici on peut lire avec un Nereb. Ça me va plutôt bien. On peut générer un Revelation également avec un métal de base. Tac. Là non. Là on a un scale. On va générer un petit insight. Merde. Il s'est échappé. Avec un Wits. Non, le Wits, on va peut-être faire venir le copain Winter, donc pour l'instant on va pas l'utiliser. Ilan Hollow, ouais, Ilan Hollow il en faut 5 et Inks of Revelation il en faudrait 7. Pareil, on peut générer un insight avec ça, mais je crois qu'il va nous en manquer un quand même. Moonrow Sky, non. Nocmoon, non. Là on a un scale de plus. Ici, on peut lire avec pas grand-chose, un hein, else. Ici, Earth on Sky. Ici, Scale on Sky. Toc. Là, on va pouvoir lire avec un Srist ou un Chore. Vendu pour un Chore. Alors, on sera le dessus, mais il n'y a pas de sujet sur le fait qu'on sera le dessus ou quoi que ce soit. Hein. Je précise quand même avec Chobiti, c'est pour rigoler. Hein. Il n'y a pas, on n'est pas du tout en train de se vraiment se râler dessus. Des fois que ça inquiéterait des gens qui regarderaient le live ou la VOD. Je veux confirmer Chobiti pour qu'il soit sûr que je suis pas en train de t'étrangler.
Je confirme que tu es en train de m'étrangler. Eh ben, je t'achèterai pas des œufs de mouette. Voilà. Ok, je pense que là, on va avoir fait le tour. Il nous reste peut-être un scale ou... Non, c'est du grail, ça. C'est dommage, tu aimes le sang, Alastre. ok. Bon, c'est parti. Oh, il est pas ouf, le jeu. Enfin, regardez peut-être un peu, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du rain. Ben, c'est pas ouf. De la pluie. Dans le contexte, c'est pas ouf. Ah putain, il fallait un livre, il fallait un truc pour le lire celui-là, j'ai pas fait attention. Zut, zut, zut. Salut, Salut SHRTZ. Alors, c'était celui-là. Ouais, c'est celui-là, il est... Bah non, pourtant. T'as peut-être pris celui d'à côté. C'était un tout jaune. Oui, mais sur le côté. Zut, putain, j'aurais dû noter c'était lequel. Je crois que c'était un de ceux-là, mais il y a... Solar Gothic... Non... Ah, avant de le collecter, j'aurais dû regarder, je suis con. Qu'est-ce qu'on a généré? Un fir, on a généré... C'était tout là-bas? Non, c'est un de ceux-là. C'est ça, c'est un, non, parce que là il manque, donc ça peut pas être un de ceux-là. C'était le Savage Hymn. Ah oui, c'était le Savage Hymn qui se lit en sabazine. Alors du coup, il y a lui. Il se lit de manière normale. Donc on va le relancer. Hop, pas besoin de langage. Faut que je fasse gaffe quand il y a la case langage qui apparaît. En effet, les strangulations ne génèrent pas de sang. Ah oui, c'est vrai. Tu avoues que c'est pas le premier live sur ce jeu et tu n'as pas encore bien compris le principe. Alors, est-ce que c'est pas le premier live chez moi ou le premier live sur le jeu en général, SH? Alors, SHRTZ, on a eu un SH. Donc, t'as peut-être rajouté RTZ, je me souviens plus s'il y avait RTZ. Mais oui, bah du coup, le concept, effectivement, et bah, surtout qu'on a pas mal avancé là déjà, est pas forcément simple. Mais en gros, on est le bibliothécaire de Ushuz, là, cette grande maison s'appelle Ushuz, qui a été abandonnée. Alors visiblement, on est toujours dans la bonne saison, hein, donc pas besoin de se paniquer. Qui a été abandonnée il y a 7 ans, parce qu'il y a eu un incendie. Et donc on a été envoyé, mandaté là, pour essayer de la rouvrir et de... comment dire, la réhabilité, on va dire. Ouais, mais je pense que... Ça, c'est pour le lore. Il a compris le lore. Alors, a gift from Dr. Blackwood. Un cadeau? Ah, peut-être qu'on va commencer à avoir les trucs du DLC. Un cadeau! Alors, c'est quoi? Serena Address. Use your writing case in the desk with the ink to invite visitors to a salon. Ouais, donc on peut inviter les villageois et on peut inviter... Donc ça y est, c'est le truc du DLC, on arrive à la fin de la saison et ça arrive du coup. Excellent. Cadeau ! Le Whiting Case. C'est plus le côté mécanique du jeu. Ouais, bah, je commence toujours par le lore quand quelqu'un me demande parce que c'est pas forcément évident. Après la mécanique, en gros, on a des aspects de l'esprit qui représentent notre énergie, en gros. Donc on en a un certain nombre par jour qui vont être fatigués une fois qu'on les aura utilisés. Et ils vont nous permettre d'interagir avec tout l'environnement. Lire des livres, ouvrir des trucs, cuisiner, crafter des choses, discuter avec les gens, etc. Et en fait, tous ces aspects ont deux types. Par exemple, si on prend RA, il est de type Edge et de type Grail, donc lui 4 et 3 Edge. Et tout ce avec quoi tu interagis a un niveau de difficulté variable que tu vas devoir atteindre avec tes types pour pouvoir réussir le jet de compétences, en gros, hein, qui va te permettre de réussir le niveau que tu essaies d'atteindre. Par exemple, si on prend un livre, alors un livre que je peux lire, donc qu'il y a à faire, pour lire un livre, par exemple, qu'on ne connaît pas, ce livre-là, on ne le connaît pas, on voit qu'il a un mystery de type rose à 12, ce qui veut dire qu'on doit réussir à mettre
un aspect de type rose. Donc on a fête par exemple qui a 3 de rose. Donc 3 c'est largement pas assez. Mais on va pouvoir l'associer avec des compétences, avec des souvenirs également qui apparaissent ici. Qui nous permettent, tous les souvenirs ont également un certain nombre de types avec un chiffre associé. Et en gros, en associant tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, le fait que petit à petit, on va devenir de plus en plus versé dans les sciences occultes, de plus en plus avancé. Donc nos aspects de l'esprit vont être de plus en plus forts. Tu vois, de base, on était à 1 et 2, je crois maintenant on est à 3 et 4, etc., etc. On va pouvoir lire des livres de plus en plus compliqués qui vont nous donner des compétences, qu'on va pouvoir apprendre, monter le niveau de nos compétences, sur les compétences sur un petit niveau, qui du coup bah, joue sur la puissance de la compétence. Et ça va nous permettre de réussir des challenges de plus en plus forts, de plus en plus avancés, et petit à petit de progresser. Et tout ça va nous servir à lire les livres, à proposer les livres quand on a des visiteurs qui viennent nous voir et qu'on des demandes. Ça va nous permettre d'ouvrir des pièces, puisqu'au début, quand on arrive dans Ushouz, en gros, on a le petit truc du gardien et la porte d'entrée. Et après, toutes les pièces, tu vois, qu'on a ouvertes là, et toutes celles qui nous restent à ouvrir, on est obligé de réussir un challenge, pareil, hein, mais avec quelqu'un qui nous aide. Donc là, il faut qu'on recrute quelqu'un, qu'on lui parle de souvenirs, qu'on lui parle de la pluie et du beau temps, qu'on lui donne à boire, à manger, enfin tout ce qu'on peut. À chaque fois qu'on va interagir avec lui, ça va monter son niveau de compétence. Et si on arrive à le monter suffisamment, on peut ouvrir une pièce. Au début, c'est simple, hein, on est sur des niveaux de compétence de 2-3. Puis tu vois, là, on arrive à du 15, du 12, qui devient un peu plus compliqué à réussir. Et dans le dernier live, on a même eu une première fin, exactement, ouais. On a trouvé un moyen de gagner le jeu. Il y a plusieurs moyens de gagner le jeu. Le principe principal, l'idée principale, c'est que notre personnage a été mandaté ici, plus ou moins pour s'enterrer, parce qu'il a fait une connerie, il a fait une grosse boulette, soit criminelle, soit un accident, enfin il a foiré un truc dans sa vie d'avant. Et il vient ici en espérant en apprendre suffisamment sur les heures. Les heures, c'est le panthéon, les Aours, d'où le Book of Hours. C'est le panthéon du jeu, panthéon des dieux du jeu. Et il espère en apprendre assez sur eux pour pouvoir réécrire l'histoire, mais genre physiquement réécrire l'histoire et effacer son erreur. Et du coup, on a notre petit journal que moi je range ici dans ma chambre, là, dans lequel on va pouvoir essayer d'écrire et réussir à changer notre histoire. Et en gros, si on arrive à écrire une histoire dedans, on gagne la partie. Il y a plusieurs moyens d'écrire des histoires. Il y a des histoires qui collent à notre personnage. Par exemple, nous, on est un archéologiste. Donc, il y a des histoires qui vont être plus spécifiques à l'archéologiste, qui vont nous permettre de débloquer une fin spéciale pour l'archéologiste. Mais si on arrive à écrire n'importe quelle histoire, on gagne. Donc, il y a ça qu'il faut réussir. Alors, il faut réussir un challenge de 25, ce qui est assez compliqué. On a trouvé une autre manière de gagner la dernière fois. Là, on a trouvé le petit cimetière ici. Où en gros, si on met notre journal et notre esprit, eh ben, on décide de devenir à vie le bibliothécaire du coin. Et puis on s'arrête là, quoi. On est content de terminer notre vie à Ushouz en faisant notre vie de bibliothécaire. Si t'as débloqué une fin, pourquoi tu joues encore? Bah parce que je voulais voir cette fin-là, mais j'ai aussi envie de voir les autres fins. Donc comme le jeu permet de reprendre en sauvegardant et en reprenant, bah j'ai repris. J'ai débloqué la fin pour montrer, mais en vrai, elle n'est pas particulièrement satisfaisante cette fin. Juste, on se dit, bah voilà, on arrête là, on termine le jeu, on arrête, on se pose, et puis on devient bibliothécaire à vie et terminé, quoi. C'est un peu triste. On peut effacer, qu'on peut quand même effacer l'histoire. Et en plus, j'avais envie de montrer le DLC, et du coup, bah, je viens juste d'avoir l'objet qu'il faut. Okay, d'ailleurs, il est parti où? Dans ton Ah, il est inventaire. parti dans mon inventaire. On vient juste d'avoir l'objet qu'il faut, mais il fallait attendre de l'avoir pour pouvoir commencer à montrer le contenu du DLC, inviter des gens et compagnie, et du coup, ça m'embêtait de finir là. On n'a même pas ouvert toutes les salles, c'est hyper dommage. Ouais, bah après, il y a encore tellement de trucs à faire si on veut aller vraiment jusqu'au bout. On est d'accord que personne n'a 3 de vie ce jeu. À ma connaissance, non, malheureusement, SHRTZ. Il y a quelques autres langues, si t'es plus familier avec l'allemand ou le polonais, par exemple, mais non, il n'y a pas eu de traduction française. Et il n'y a pas de mode, à ma connaissance, pour ça. Alors, on dirait, c'est bizarre, on dirait que c'est quand même une nouvelle saison, parce qu'on a un mec qui est censé arriver. Pourtant, on est toujours. Ah si, on est passé en summer, j'avais pas fait gaffe, pardon. On est passé en summer, autant pour moi. Donc oui, on va avoir le visiteur de la saison qui va venir pour l'histoire de la particulière mystique là. Le suppression bureau qui est en stress parce qu'il y a des gens qui font des trucs. Et du coup, on pourrait potentiellement inviter des gens.
Alors, donc ça a servi à au moins trois bibliothécaires et on peut inviter des visiteurs et on peut inviter des villageois si on l'utilise en topic. Ok, alors du coup, ça veut dire qu'on n'a plus trop de bureaux de dispo, là ça bosse, celui-là il bosse, normalement on en a un du côté du directeur là, voilà. Donc genre si je mets ça comme paper, et on a de l'encre ici, donc go. Ah, il me faut une soulcarde. Genre, mais je veux pas le lancer, je veux juste voir. D'accord. Pour le moment, ça fait rien. Bon, on va ajouter un skill, on s'en fout, n'importe quoi. Non, du coup, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'ils disent? Use a writing case in a desk with ink to invite visitors to a salon. Ah, il faut réussir un challenge. Là, je dois avoir au moins 3 de forge. D'accord, ok. Je peux pas mettre. Si, je peux mettre forge. Donc, si je mets la forge là, je vire ce truc. Ah oui, là du coup Là, je tu peux peux. crafter une lettre pour elle. Ok. D'accord, ok, très bien. Bon, on va déjà terminer nos leçons. On est assez concentré avec nos aspects pour le moment. Surtout qu'il va y avoir l'invité à gérer. Mais je pense qu'on va essayer demain ou après-demain. On verra comment on arrive à s'en tirer avec nos souvenirs. Il nous faut un site aussi, du coup. Alors, un site. On va prendre un buste quelconque. Toc. Et il faudrait qu'on le considère avec un truc pas trop chiant. Un else. Allez, allons-y pour un else. Alors toi, il faudrait qu'on fasse des souvenirs de type moon aussi. Mais on n'a plus de bureau disponible vraiment, donc on va attendre un peu. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Mr. Kyle. On va commencer à travailler avec toi. J'avais déjà oublié. Tu l'avais déjà oublié, et même pas moi. Du coup, je vais reposer l'aspect tout de suite. Ma Ah, tout pense, ça va, tout pense, hein. Et de rien, SH, RTZ. Le jeu est compliqué, hein. Enfin, il est complexe plutôt que compliqué. Mais étant donné que tu peux prendre tout ton temps et que tu vois, même moi j'optimise, etc. Mais on n'est pas vraiment obligé, tu peux prendre largement le temps de faire tous les trucs jour par jour tranquillement. Le seul moment où t'es pressé, c'est à Numa parce que ça dure qu'une journée et puis tu peux faire des trucs spéciaux. Mais en vrai, il n'y a franchement pas de stress à jouer à ce jeu. Tu peux prendre bien le temps de lire, de noter sur tes carnets ou sur un traitement de texte, de regarder les trucs, d'apprécier les histoires et compagnie. Et salut Falsag, bienvenue sur le live, j'espère que ça va. Alors du coup, là on a combien de lanternes? 1, 2, 3, seulement 3. Ah, ça fait pas lourd 3. Hein. Et de moss, je suis en train de me on dire, en a 1. on l'a pas du tout écrit comme il fallait, Insight, dans notre carnet. Ah oui, j'avoue. Bah, je l'ai même pas écrit du tout comme il fallait là en fait. C'était où? Ici. Ah oui, je l'ai pas du tout écrit comme il fallait, même rien que là. Et bah du coup, c'est vraiment un jeu de mots à la con. On va l'écrire bien. Insight. Non, ça c'est mon style. Onsite. Il faut pas de d'espace là. Voilà. Tac. Et du coup, il fait bien ce qu'on veut, hein. Il fait bien un scale de Winter. Oui, Okay. c'est C'est vrai que je bien. le génère pas souvent, lui. Eh ben écoute, ça va bien, Falsag, merci. Je n'ai pas fait mon autre souvenir Moss en lisant le journal. Non, tout à fait. Je peux lire le journal maintenant. Je peux aussi générer de la moon. On va faire autrement. Voilà. Ah non, c'est vrai, lui, c'est un considère, pardon. On peut pas le lire dans un truc. Faut qu'on attende de terminer ça. Et du coup, on en aura 3, plus le site 4. 5, 6. Ah, il va nous en manquer un. Il va nous en manquer un.
Parce qu'on a eu un jour de merde avec de la pluie. Zout. Bon, c'est pas grave. On va faire le moon en attendant. Alors ici, on peut mettre... Alors un health, il faudrait qu'on le garde parce qu'il nous faut du scale pour ça. Ou du moon, remarque. Ouais, on peut l'utiliser. Ok. Un petit confounding parable, ce serait pas mal aussi. On va le dire avec notre metal qui devrait pas nous servir. Et il nous en faut 5, donc là on devrait être bien normalement. Alors on va pas utiliser Endocover et Death là. Non, il nous en manque qu'un. On en a deux, on va essayer de pas utiliser le numen pour ça si on peut. Donc il nous en manque un. Est-ce qu'on a un autre moon qui traîne? On a l'intuition. Hop, l'intuition. On va le lire avec un chapt. Voilà. C'est parti. Alors, est-ce qu'on aurait moyen de générer un autre lanterne? Là, comme ça, j'en vois pas. À moins que les animaux nous donnent un truc. Ah merde, ça nous a donné un touch en plus. Bon, on va noter touch du coup. On va noter le touch. C'était pas la bonne chose. Il me semblait que pourtant quand on regardait une statue, ça faisait un sight, mais ça dépend peut-être de la statue. Tableau ? Peut-être plutôt un tableau, ouais. Alors, touch, c'est forge. Alors, c'est con. Idère. Alors après, j'ai fait ça sur... peut-être une statue d'une certaine matière, donc ça marchait pas. Sur ça. Ouais, non. Rien de particulier. Non, c'est... À mon avis, tu regardes sur de l'art, et pas une signe. Genre sur un tableau. Wall art. Ouais. On va essayer. Tu veux un souvenir lanterne que tu connais mais que tu n'as pas noté? Bah en fait je me souvenais qu'on pouvait avoir un souvenir sight, voir quand on regardait les objets. Mais je sais plus comment on fait. Enfin visiblement je me suis foiré parce que je pensais que c'était sur une statue mais non. Et du coup... considère sur une signe. Je vais finir de noter, voilà. Mais du coup, ça nous servira quand même pas. On en aura quand même pas suffisamment, donc je vais peut-être pas le faire tout de suite. On verra si on a un autre jour intéressant. Il y en a plein que j'ai pas noté. En fait, tous les petits souvenirs à la con, je les ai pas notés. En mode, ils sont vraiment pas puissants. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils sont peut-être pas puissants, mais quand on arrive à des compétences level 7 comme ça, là, eh ben, on n'a pas besoin de puissance, on a juste besoin d'un souvenir du bon type. Et du coup, ça fait plaisir. Ouais, la Sonant Harmony, il faut que je la fasse. Il faut la faire avec un souvenir de type Sky. On pourrait transformer Wistful Air en Sonant Harmony, si on voulait. Il faut que je le craft. Mais c'est pareil, là, j'ai un nombre limité. J'en ai plus beaucoup, tu vois, déjà. Et il va falloir que je fasse les compétences. Donc, je vais attendre d'être sûr que j'ai ce qu'il faut. Donc là, on a le Coffin Maker qui est là. On va... travailler avec lui sur ça. Passe à 10. Et on a le Seigneur Corso Riverte. Alors, un chasseur de manuscrits et un pilleur de tombes, on pourrait dire. Mercenaire. Beaucoup vont questionner son éthique, mais peu nieront sa précision. Ok, alors il parle de quoi? Le Phrygien, le Latin... Ixos, le sanskrit, et il aime manger et boire, de type grail, ok. Ok, 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 donc éventuellement, on pourrait apprendre le Ixos. Est-ce que ça nous intéresse? Ixos, Ixos, 2... Pas sûr que ce soit le truc qui nous manque le plus, le Ixos.
Le VAC et le Killamish, là, ça serait vachement intéressant à voir. Là, il y en a un, Ixos. Ok, on a trois livres qu'on pourrait lire avec du Ixos. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ah oui, j'avais le Savagim qui était en cours. Donc on va en avoir assez pour Il en Holo, c'est bon. Du coup, lui il arrive, mais il reste 2 jours. 5,59, une journée entière, 2 jours entiers, je sais plus. Donc on va se concentrer sur Coco pour le moment. On va lui filer une Solomon Preparation et le couteau, et il sera à 15. Je vérifie. Là, il nous faut 5. Là, on n'en a pas. Et là, on en a 1, 2. C'est compliqué de voir qui clignote. 1, 2, 3. Là, il clignote. 4, ouais. Ouais, on est pas mal. 1, 2, 3, 4. Il nous en manque un. Donc on en a un qui est en train de se fabriquer, donc c'est bon. J'espère qu'en ouvrant cette salle, on va tomber sur la salle inondée, parce que si c'est là-bas, ça va être chiant, mais bon, on fera avec. Toc, reviens là, toi. Et on va te filer le petit Koutal. Le petit Koutal. Hop, qui va te passer à 11. Parfait. Ici, on est reposé. Est-ce qu'on referait pas de la préparation de Solomon? Il faut 10, je crois. Avec nos tweets de base. Peut-être pas simple, hein. Pas la priorité pour aujourd'hui. Ah, c'est toujours prioritaire d'avoir de la préparation de Solomon parce qu'on n'en a plus du tout. Il nous faut une plante de type Winter. Est-ce qu'on a ça? T'as le machin avec le tank. Oui, mais est-ce que c'est considéré comme une plante? Oui, parfait. Ah bon. En avant, en avant. Alors du coup, il veut quoi, lui? Non, il faut qu'on lui parle pour savoir ce qu'il veut. Donc pas tout de suite. Alors c'est pareil, hein, quand on commencera à inviter des gens et qu'il faudra leur préparer de la bouffe, il faudra qu'on soit prêt, parce qu'il faut les ingrédients, il faut pouvoir faire la nourriture qu'ils aiment. Ah, c'est pas non plus trivial, quoi. Bon, là normalement, on a largement ce qu'il faut. Hop, on met ça. Donc il nous faut un effort de type comme ça de type Moon, et on va mettre ça, 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 ça. Voilà. Et donc du coup pour toi, on n'a pas fait le journal encore, mais le Omen. Alors attendez, où est le labo? Là on a quoi? Nectar 2, Scale 2, donc non. Et là, Nock Winter Scale, donc non. Et ça fait du Moss, donc celui-là, oui. Celui-là, oui. 1, 2, 3. Oh, ça non, ça non, ça non, ça non. Plus du MOS, donc on peut en faire 2 du MOS, donc on est à 5. Et si on arrive à générer le insight, le site, on est à 6. Donc non, non, il nous en manque un, il n'y a pas à chier, il nous en manque un. Pourquoi on a fait intuition du coup? Pourquoi on a fait intuition? Parce que j'avais oublié que j'avais l'autre scale qui était démarré 5 secondes trop tard et qui n'était pas fini du coup. Du coup, je pensais qu'il m'en manquait un. Tout cela est embêtant.
Du coup, il nous reste plein de trucs à faire, plein de trucs possibles. Alors, qu'est-ce que tu verrais comme priorité, toi, Chobiti, puisque tu me disais que c'était pas la priorité. Bah, je sais pas, moi, je suis assez d'accord avec Lonmar, on peut peut-être faire Ascendant Harmonie. Ascendant Harmonie, c'est Sky, c'est pas du Lanterne. Oui, mais c'est épreuve 10 de Sky. Oui, mais ça génère un souvenir de type Sky. Enfin, il doit avoir un autre type. Oui. Mais on peut essayer. Du coup, il nous faut ça. Il nous faut du Sky. Alors, c'est Moss. Non, il va nous falloir plutôt du Drum and Dance ou un truc du genre. Tac, tac, tac. String and Song. Voilà, Ascendant Harmony. C'est parti. Et Wish to Learn, t'en avais pas besoin. Non, j'en avais pas besoin. Ah, c'est un Lanterne 2 à son intermonie. Ok, d'accord, très bien. Pas cool, parfait, Lonmar. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve le... Il faut qu'on trouve le souvenir... Je vais pas filer sa boisson encore à lui, hein, non. Il faut qu'on trouve comment générer du sight, du coup. Donc on va essayer de générer un sight. Avec un tableau, dès que ça sera fini. En lui, on peut le faire dormir hein, si jamais on voit qu'on perd du temps. Qu'est-ce qu'il veut bien venir chercher, ce monsieur? Ah, on a reçu notre colis, tiens. La thune! Ok, ça passe level 6. On l'avait déjà attuned sur un truc, hein, oui. Donc ça passe level 6, c'est parfait. Du coup, un tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Il faut qu'on garde un souvenir, un truc de type lanterne ou moss, hein, sinon on est niqué pour la compétence. Ok, on a encore ce qu'il faut. On va utiliser ça. Hop. Ok, toi t'es prêt. À travailler sur la mort ne marche pas ici, mais ses yeux sont partout. Ok, très bien. Occupe-t'en s'il te plaît. Essaye de revenir en vie. Alors du coup, machin. Je n'ai pas besoin d'un rendez-vous, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on veut parler avec lui de ça? Il va falloir du lanterne. Shadow, alors une ombre projetée par deux chandelles. Ce passesse me perturbe. Je pense que c'est un qui disparaît à l'aube, mais pourquoi passesse TH? Alors, une version non autorisée de la Celian Prayer. Vraiment très non autorisée. Ça me dit quelque chose, ça. Celian, on a un truc qui s'appelle Celian. Ouais, on a un truc de ce genre. Ah oui, non, c'est vrai, faut que je trouve un mystery. Mastery Lanterne. On a celui-là. Unmatched Him. Bancroft Diary, non. Mais tout cela. The Hallow of the White Rose, The Light in the Inkwell. The Gospel of Nicodemus. Non, c'était prometteur, mais non. Watchful Tantra. Quasiment sûr de l'avoir vu ce livre dans ceux qu'on a lus. Alors je regarde dans ceux qui sont rangés là-bas. Il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. À l'étage. À l'étage, il y en a deux. The Chandler Wish. On a mis deux fois un livre. Pourquoi c'est ceci?
Ah bah écoute, pas grave, hein. Sûr de ne pas les oublier. Avec Céliane. Ouais, moi aussi. Moi aussi, il me semblait bien. Bon. Il veut du lanterne. Alors après, il faut que je regarde dans les descriptions, hein. Tatata. Masgrave, The Covenant and Bankrupt. Non. Les techniques alchimistes de la maison de York. Non. Mystic Dream of Artisan, non plus. Ici, de quoi elle parle? Le livre qui n'a jamais été écrit. Donc ça, c'est des hymnes des fabricants de verre. Ok, pourquoi pas. La Bancroft d'Iry, ça me paraît pas trop pertinent. Ah. Voilà qui est frustrant. Ah, Sunset. Ah non, Sunset Cellier. Sunset Cellier. C'est quoi, c'est du Foresight? C'est du Foresight. Foresight, où il est? Ma liste. Alors, Zend, The Book of Cinder, En Résonance, Bancroft Diary, Sunset Cellier, The Hand of Day. Mais c'est pas du lanterne, donc ça marchera pas. Ah oui, Donc c'est pas ça. c'est que ce lien. Non, mais c'est peut-être ça qu'on se souvient, hein. Ah non, bah écoute, semblerait que non. Bah du coup, sinon on va lui demander d'apprendre son truc, hein. Est-ce que je peux mettre ça? Ça suffit. Ouais. Parfait. On va prendre le Hyksos du coup. Par contre, je pense qu'on va tout claquer là. Mais bon. Ma thune! Ben ouais. Bah c'est assez rare quand même hein, l'argent, le tali là. Hein. Pas facile d'en avoir et de pas le dépenser. Grosse journée là. Grosse journée. On devrait avoir le temps de terminer ça. Voilà, site, parfait. On a pas le noté. Alors, site. Donc c'est lanterne 1. Et du coup, c'est Consider Art. Et alors normalement il y a Sound aussi où quand on jette un truc dans le puits ça fait un Sound mais on l'a noté, je l'ai noté au début. J'ai noté ce qu'on peut faire avec le puits en fait directement. Et Touch, alors Touch je les ai marqués pour Sing, je pense que c'est pour n'importe quel Sing Lodmar. Donc ouais, on collecte ça du coup, ok. Et il nous faut le newspaper, hein. J'ai compté avec le newspaper. Hein. Donc il nous faut le newspaper. On va utiliser le REB qui nous servira à rien. Ça marche aussi si on jette le chat dans le puits. Alors je crois pas qu'on puisse... on l'avait mis où déjà? On l'avait mis à un endroit rigolo. Dans l'escalier.
Alors, des escaliers, il y en a une paire. Hein. Dans l'autre escalier. Dans l'autre escalier. Ah oui, c'est vrai, on l'avait mis à notre place, là. Il est de type comfort. Hein. Dans le puits, on peut jeter quoi? Un penny ou une sing. Ouais. Pas une sing. Non, c'est pas une sing, c'est du comfort. On a terminé un truc ici. Ah oui, on a terminé de préparer notre Solomon. On va le ranger là. Voilà. Il en est où l'autre? 30 secondes encore. Le writing case, je vais le ranger avec le journal, voilà. Donc là, normalement, on devrait apprendre un nouveau langage. Tant que je l'ai pas déjà, parce que... Non, je l'aurais... si je l'avais déjà, j'aurais lu les livres. Alors là, du coup, on a Occult Scrap, de type Moss. Parfait. On va vérifier, hein. Mais là du coup... Putain, c'est... tellement quoi. Tac, 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 tac. Il nous en manque bien un. Ça, ça matche pas, ça matche pas, je peux pas les envoyer. Non. Mais courage. Du coup, là ça va se terminer, et donc on a... Ascendant Harmonic est de type lanterne. Très bien vu, Lonmar. J'avais complètement oublié qu'il était de type lanterne. Mais bon, on va l'écrire. Alors, Ascendant Harmony. Hop, on ouvre une nouvelle page. Ah, Ascendant Harmony avec un H. Donc, du coup, c'est lanterne. 2 et Sky 4. Et je crois qu'il a un Evolve, non? Ah oui, Evolve via Bursong. Bursong. Et d'ailleurs, on va noter Occult Scrap aussi, parce qu'on l'a pas noté, je crois. Peut-être que... Si, si, on l'a noté. Si, si, on l'a noté. Avec Oromakistri, c'est ça. Et c'est juste un Soon, c'est pas un humain. Ok, très bien. Donc, craft guide 10 plus instrument plus songs and things, c'est ça? Strings and song, ouais, bon, ok, c'est pas grave, je vais mettre l'inverse. Strings, voilà. Ok. Du coup, là, on est prêt. On met ça, on met ça, on met ça, 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 ça. Et un effort, comme ça. At least, I approach mastery. Je pense que ça doit être 10 le level max. Notre premier skill level 8. Mais en plus, c'est pour faire des encres. C'est plutôt cool. Et du coup, il nous reste deux trucs. On va attendre de voir ce qu'on trouve ici. Ouf. Oh, la vache, ça m'a l'air... Quand il disait que les morts, ils étaient pas très loin... Ah ouais, genre des horloges en os et tout. Des squelettes pendus. Ça m'a l'air sympathique. Les catacombes, hein. Ceux qui s'en souvenaient amenaient les os de leurs morts dans la roche grise sous la mer. Ok, donc à chaque fois, à chaque période, ils amenaient leurs morts dans le Grey Rock in the Sea. Quand le roi loup venait, ceux qui se souvenaient amenaient les os de leurs morts dans la Grey Rock in the Sea. Ok, très bien. Et donc là, on a un altar. Bon, is the memory that does not die. On met quoi ici? Un souvenir ou des remains, ok. Et la dévotion, t'aurais. Donc c'est un altar assez classique. Par contre, il a evolved via Ushri.
Et t'as eu droit à des cailloux. Et j'ai eu droit à des cailloux. T'as vu des cailloux aussi. Là, il y a le petit truc de verre. Là, il y a une bouteille. Assez fort, hein. 6 de noc. Un calice de brocéliande. Classe. Et là, on a une algue, une ombre et une chandelle. Ok, très bien. Les catacombes à un hôtel pour une religion du mal. Mais non, regarde, c'est juste, juste pour honorer le crâne du monsieur. Dans les petits textes de chargement, c'était marqué que avant les Déwulfs, avant tout ça, les sœurs Nœuds, elles allaient dans les caves. Alors, est-ce que ce serait pas les sœurs du Nœud Bah non, comme dit la description, ça remonte à loin. Hein. De toute façon, c'est du Dawn, donc c'est 600 avant Jésus-Christ. Oui, tu vois, The Sipstowood, The Triple Knot, First Build Their Temple, Here Much Earlier Than That. Ils étaient avant l'abbaye, les sœurs. Alors, je voulais regarder en hocherie. On a que deux en hocherie. Elles sont pas sataniques les histoires du triple note. Ah ouais, mais c'est Nock et Grail. Parce que je sais qu'on a deux cerises en hocherie, justement. Mais ça m'étonnerait que l'altar, là, il soit de type Grail et ouais. Donc non, on va quand même pas le faire évoluer là. Et l'autre, c'est l'espèce de pot de colle, là. Tune to whist, et du coup, whist, on n'en a pas deux. Okay. Bon. Alors du coup, ton machin, ton cover depth. Bah non, visiblement, il n'y a toujours pas d'eau là. Hein. Donc j'imagine qu'elle doit être là. Donc on va garder ce truc là jusqu'au prochain Numa, et puis bah tant pis si on le refera. Hein. On dépensera des sous, c'est que des sous au final. Qu'est-ce que des sous? Une grande pièce comme ça, un bel hôtel et pas un livre. Eh, je pense qu'on trouvera pas de livre, Lonnemar, à ce niveau, parce qu'il faut pas oublier que c'était sous l'eau. Hein. On voit qu'il y a les petits coraux et tout, les algues, mais tout ça c'était inondé en vrai. Donc je pense pas qu'on trouvera beaucoup de livres, à partir d'ici. Alors après, on a vidé là, et c'est vrai que d'un point de vue purement physique, Il y a de ce l'autre serait côté. pas illogique que là, ça serait inondé. Alors, on va pas se mentir. Il faudrait aller voir. Et d'ailleurs, on peut pas remonter là. Ben non, tu peux On peut descendre de l'autre côté. que descendre. Et ça, c'est du. Waouh! Ah, ça pique. Je sais qu'il a un bon niveau de edge, le forgeron, mais. Et ici, le petit escalier, bah, on pourrait peut-être ouvrir là avec le forgeron. Non. Il y a là, 13 de Winter, c'est carrément faisable sans trop forcer. Ok. Hop, ici. Il nous reste un bon Sprintia en récupère. Ixos. Et le monsieur il se barre. Et du coup, notre paquet, on peut l'ouvrir? Bah quand on aura terminé le considère, mais du coup on va aller travailler un peu pour faire des sous. Hop, sauf que ça nous fait que dalle si on travaille avec ça. Du coup, on pourrait aller là. On avait dit qu'on essaierait de vider un deck de la plage ou de la forêt quand on changerait de saison. Donc, on peut essayer. Bon, bah, une belle journée l'un dans l'autre. Faut bien débrouiller. Et on est level 8 là. Ça fait plaisir. 9 de lanterne et 8 de moss. Alors, c'est pas les challenges qu'on utilise le plus, mais. C'est cool quand même. Et il nous reste quoi? 5 pièces à ouvrir le scooter là, au-dessus de l'eau?
Bah, il nous en reste comment ça? Non, mais je veux dire, oui, au-dessus Ah là, de... si vous voulez descendre là? Non, mais là, en haut. Ah, au-dessus de l'eau, d'accord. Là. Oui. Bah, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Potentiellement, on trouvera des Grail. moves, quoi. Du Grail, du Nook ou du Edge. Ah, là, compliqué, là, ça c'est des trucs qu'on n'a pas. Et là, bah, 15 de Winter, on sait qu'on peut le faire. Donc, pourquoi pas. Allez, on termine la journée. On ouvre notre paquet. Donc, le paquet, ça va être du métal qui nous permettrait de relancer la pompe éventuellement si jamais on perd ce truc-là. Donc, en attendant. Voilà. On va les ranger ici parce que je les avais commencé à les ranger ici, donc moi je m'en souviens. Et ça, c'était pour du fuel. Hop, voilà. Au niveau des livres, tu as tout lu. Ah non, non, hein, loin de la Falsag. Je les ai tous catalogués, mais ça, c'est tous ceux que je peux lire déjà. On a appris un nouveau langage, donc on va pouvoir probablement aller en chercher dans la bibliothèque. Ça, c'est ceux que je ne sais pas encore lire. Mais j'en ai pas à cataloguer, j'en ai pas de nouveau, quoi. Alors, est-ce qu'on peut pas mettre un petit... Il fait nuit? Non, pas encore. Un petit souvenir dans le lit. Il reste celui-là, du coup. Si on peut pas mettre celui-là. Si on peut mettre celui-là. Il faut attendre qu'il fasse nuit. Ici, on a travaillé un peu. On récupère 6 pence, parfait. Hop là. On va mettre... Et puis du coup, vu qu'on est au début d'une saison, on va retravailler sur des livres, hein, je pense justement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? 12 de rose. 12 de rose, c'est beaucoup, hein. 12 de rose. 8 de forge. C'est carrément jouable, ça. Scroll. Alors, 8 de forge deux fois, peut-être pas. Encore que. Bah. On a quoi en forge? Là on a un 4, là on a un 4. Le metal, donc là on en a déjà direct 8 avec le metal plus et un truc comme ça. Et avec le petit metal, on a 2, on rajoute un souvenir à 2 et on a 8. Donc on peut en faire 2 dans la même journée. Assez facilement. Donc on va prendre 12 de moss, 8 de nock, carrément faisable aussi. Et un petit film. De type Moon. Ouais, je pense qu'on peut faire tout ça Chouette, on dans la journée. peut rajouter des livres dans notre étagère. Ouais, on pourra rajouter des livres. Et du coup, là, effectivement, les livres de type Ixos, on va prendre ça. Est-ce que je peux le voir? Ah non, j'ai pas le symbole dessus. Du coup, ça me permet pas de voir les trucs en Ixos. Un film en Ixos, quoi. Donc ça, on pourrait le lire. Alors, ouais, voilà, je vais attendre d'avoir dépilé ça, comme ça je mettrai dans mon inventaire et on ira transitionner là-bas. Enfin, après, en vrai, je peux déjà prendre celui à 8. On n'a qu'un seul film. Donc on va peut-être le garder et on va prendre celui-là plutôt. 10 de Edge. Edge, il y a ça, c'est à 3. Et après, c'est Metal, c'est à 3 aussi. Donc ce sera R-Eb et 10. Ah, 10. 10, 10, 10. 5 de Edge ici. C'est le meilleur qu'on a. On rajoute un souvenir à 2, ça passe. Ouais, si, ça va passer. Ça va passer. On va se faire quelques leçons supplémentaires. C'est la nuit. Non, c'est là, je me disais pourquoi il n'y a plus le x4. Nye. Ah, on trouvait des piles chalarmes. Ça, c'est cool. Avec ça, on peut nourrir les animaux. Ils sont tombés dehors. Ouais, on le filera peut-être à la vipère, du coup.
Ouais, là on peut stocker les trucs dehors, mis à part que ça fait un petit chiffre ici. C'est pas fondamental. Alors. Mon père pas. Par là, tiens. Ok. Tac. Alors la priorité, ça reste, c'est pas de donner à manger aux serpents quand même. Ah. On va déjà attaquer les lectures. Donc là, on peut mettre un metal et un truc avec quête de forme. On a du... Ouais, on a un truc de type knock à faire. On a celui-là qui a 7. Ouais, okay. Pas de souci. On peut utiliser celui-ci. Très bien. Un autre bureau où on peut faire du forge. On a ça. Pas sûr. Voilà. Non. Tac, ça c'est pas un bureau. Lui. Ouais, lui, voilà, parfait. Tac. On met ça. Et on met. Ah oui, mais du coup, il va nous falloir un souvenir là. On est à 6. Il nous faut un petit souvenir à deux de forge. C'est ça. Il nous faut un souvenir à deux de forge, ok. Ensuite, on a du knock à 8. Et quel jour qu'elle n'a pas mangé, elle peut bien attendre. C'est méchant, la pauvre. En knock, c'est celui-là qu'on a. 3. Et du coup, on fout lui qui a 7. Et on est à 10. C'est largement suffisant. Il y a Foresight qui fait 2-2. On va générer un petit Foresight. Alors, Foresight, il est par là, non? C'est ça. Foresight. Ranger ça. Voilà. Un short de base. Tac, c'est parti. Est-ce qu'on essaie d'ouvrir une autre pièce à 15 là? Ça me plairait bien. Je pense qu'on peut mener ça de front. Et du coup, là, je peux mettre le White Case maintenant pour l'inviter. C'est rigolo. Ok, on l'invite pas, on le recrute pour le moment. Alors, on avait un Edge à 10. Alors, déjà, le phonographe. Pas le phonographe, le film. Ah, c'est du Moon, on peut pas mettre de Moon. Oh. Ah, ça, c'est vilain, ça. Ça, c'est vilain. Ça veut dire qu'il faut qu'on atteigne 8 avec ce qu'on a là. On a 6, on a 7. Oui, ça se fait largement. Il nous faut un souvenir à au moins un Moon. Ça devrait être faisable. Celui-là, il le fait pas. Non. Là, on a un Moon 2. Là. Ouais. Confounding Parable, il fait le taf. Alors du coup, ce bureau-là travaille. Un petit co-founding parable, et on va l'envoyer ici, et du coup on va le lire avec un cerise puisqu'il ne servira pas pour le reste. Et donc le edge, ah, c'était celui-là qui faisait edge. Putain. On va en trouver un autre. Ça c'était un truc de sculpture, c'était le truc d'interrogation. Ici ça fait Edge. Donc là il nous faut déjà le langage. Déjà de base le langage il met un de Edge, ça fait déjà pas mal. Ensuite on met ça. Et ça. Et on est à 9. Hein ? Il nous faut donc un souvenir. Un souvenir qui fait du edge. On n'a pas des tonnes, hein, je crois. Contradiction, edge 2. Contradiction, je crois qu'il est dans ce coin-là, ouais. Du coup, on va aller le lire là-bas, puisque on aura besoin de ce bureau ensuite. On va le lire avec un petit REB. C'est parti. Ok, ensuite,
On prend toi. Coucou. Tu mets ta. Oh, coucou. Et on va utiliser toi. Ouais. Voilà, comme ça, elle sera contente, la vipère. Elle aura moins faim. Exactement. Sony. Bah, Sony, c'est de lanterne. On verra les leçons qu'on récupère. On en a trois qui travaillent pas, déjà, ça m'embête, mais bon. Ça va venir. Là, on a Mistocryl. Ça, je suis en train de générer des souvenirs. Oui, il génère les souvenirs, ça va. Puis là, c'est pareil. On nourrit la vipère, on aura le temps de s'occuper du... Coffin Maker après. Là, avec un 9 de lanterne, on pourrait viser un 15. Hein. Faudra trouver le bon objet, mais on pourrait viser un challenge à 15, je pense. Ah, on récupère ça. Il faisait quoi, lui? Il est rose, ok. Pas besoin d'une moon? Besoin de Moon, mais il faut qu'il puisse aller dans le phonographe. C'est vrai, tiens, d'ailleurs. Vrai. Ah, mais on peut rajouter ce qu'on veut ici. C'est pas fait en vrai, hein, parce que c'est vrai que je peux pas mettre n'importe quel skill. Je peux mettre un skill ici. Non. Ouais, en vrai, Moon à 8, là. Comment ça se fait qu'ils ont fait un film qui est pas du bon type? Et de l'autre côté, du côté de la prison, il n'y a pas d'autres films? Non, non, il n'y avait pas d'autres trucs. Ah, on n'a peut-être pas encore trouvé, hein, mais pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Donc, en fait, on est peut-être bloqué avec celui-là pour le moment. Bon, bah, du coup, on va l'arranger. Oui, j'ai pas pensé parce qu'on a dit il faut juste, c'est bon, il faut juste un truc à deux de moon, mais non, en fait, pas vraiment parce qu'il faut un skill qui rentre dans la case là. Et les skills qui rentrent dans la case et qui font du moon, bah on en a pas. Alors il y en a peut-être, hein. C'est pareil, il y a peut-être un memory qui rentre dans la case et. Bah ouais, un memory qui a un type qui va bien. Bon, bah du coup, pour le moment, on va pas pouvoir le faire. Et du coup, il y aurait le edge éventuellement qu'on pourrait faire, mais... Il y a que ça qui a un bon score de edge, donc... on verra si on se repose, si on peut le reposer assez vite. Et encore, on peut pas mettre de edge non plus. Donc, non. Ok, donc ces deux films-là, en fait, on peut pas les faire. Tiens, ça c'est... C'est ballot. C'est ballot. Hey, petite vipère, mange tes pichards. Voilà. Hop. Souvenir, souvenir, souvenir. Viper. Tain Viper. Oh, elle aime le lait chaud et les souris chaudes. Bah ouais, en plus, on peut même pas lui donner une souris. Non, mais... On peut lui donner du lait, par contre. Est-ce que tu peux la mettre au coin du feu? Le lait, c'est du Remains? Non, c'est pas du Remains. Est-ce que je peux la mettre au coin du feu? Je dirais pas. On a du feu ici. Là, je peux la mettre là. Waouh, elle sera bien plus contente au coin du feu. Ah, maintenant qu'elle est timed, ouais. Alors du coup, on a dit, on a nos souvenirs. Ici, on a dit qu'on pouvait faire du forge ou du edge. On va faire le forge. Tuck. Tuck. Et du coup, le souvenir. Et on est à 8. C'est parti. Hop. Et alors, est-ce qu'il nous reste assez de... Est-ce que l'autre, il a fini là-bas? Ouais, ici, il a fini.
peut mettre ça. Ça, le REB. Le language. Et le language. Et on peut faire un winding move à 10. On le fasse. Et le language est là. Toc. C'est parti. Il est temps de commencer à bosser, toi. Ah, il faut qu'on génère le... Il faut qu'on génère le nomen... Le yomen, là. Le yomen, le nomen. Le numen. Toi, il faut qu'on le génère, genre, rapidement. Mettre un else de base. C'est parti. Bien, bien, bien. Et tant qu'à faire, on va aussi générer celui-là, histoire d'en avoir toujours un peu d'avance. Parce qu'ils disparaissent pas... Ils disparaissent pas le matin. Autant les avoir de fait. J'avais dit qu'on s'arrêtait à la fin de la journée, on arrête l'épisode de VOD. On n'arrête pas le live, on arrête l'épisode de VOD. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir dans le chat, vous pouvez faire un petit coucou. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées, etc. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!